Bonjour, je suis Christian Houdan, responsable de la filière multimédia Internet et communication que j'aimerais aujourd'hui vous présenter, au grand public surtout. Donc, la filière déjà est une innovation de taille dans l'offre de formation universitaire proposée par l'Université virtuelle du Sénégal. C'est une des grandes visions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. La filière s'inscrit dans une démarche d'égalité des chances, favorisant ainsi à tout étudiant, toute série de baccalauréats confondus, d'accéder à un programme de formation à cheval entre le multimédia, l'Internet et la communication. La filière s'adosse et s'articule sur trois domaines de compétences. Elle vise à traduire en secteur d'activité tous les métiers liés aux TIC, aux technologies de l'information et de la communication. Ces trois domaines que sont le multimédia. Qui dit multimédia dit maîtrise des logiciels d'infographie. Tu maîtrises des logiciels de production audiovisuelle, comprendre les formats de fichiers d'échange destinés au web et à l'impression. Ce volet qui est le multimédia dans la formation MIC donne à l'apprenant la capacité d'élaborer et de mettre en œuvre un produit de communication reposant sur l'intégration des métiers du numérique. L'Internet qui est la base, on ne peut rien faire actuellement sans l'Internet. Les étudiants qui sont dans la filière MIC, surtout des littéraires, ne pèsent pas encore la chance qu'ils ont d'intégrer une formation qui les forme en réseau. Donc, comprendre déjà le système d'exploitation, comprendre les réseaux informatiques et les architectures, maîtriser le logiciel d'intégration web et de programmation. L'objectif dans ce domaine de la formation, c'est de former l'apprenant au câblage d'un réseau informatique local, mais aussi l'installation et l'administration de services réseau classiques. La communication qui est un maillon fondamental. On ne peut rien faire sans communiquer. Et on ne peut rien vendre sans communiquer. C'est de pousser l'étudiant à utiliser le multimédia et l'Internet pour communiquer mieux. Bâtir autour de lui une communication orientée web et marketing. Bien communiquer, c'est avant tout se faire comprendre et bien vendre. Tous les secteurs sont concernés pour les débouchés. Domaine d'activité comme organisation et entreprise d'accueil de ces étudiants. Donc, le corps enseignant dans la formation est composé des universitaires et des professionnels. Et tous les cours sont articulés aux débouchés finaux que propose la filière. Avec des syllabus qui détaillent les objectifs spécifiques pour chaque cours. Le programme d'enseignement est étalé sur 6 semestres, à l'issue desquels l'apprenant sort immédiatement opérationnel. Je finirai mon propos par tirer un grand chapeau aux corps enseignants qui nous ont déjà accompagnés pour les 4 premiers semestres, parce qu'on est déjà au 4e semestre. Aux étudiants, je dirais tout simplement une bonne année académique. Et pour les nouveaux qui viennent d'intégrer la filière, bienvenue au programme de multimédia Internet et communication. Je vous remercie de votre attention.